Au Brésil, des milliers de contestataires ont battu le pavé à Sao Paulo ce dimanche, non loin du domicile du président intérimaire Michel Temer. Les manifestants refusent le plan d'austérité décidé par le gouvernement, estimant que ce plan est antisocial et va à l'encontre des intérêts des Brésiliens les plus vulnérables. Un président que personne n'a élu et qui veut aussi mettre en avant un ordre du jour que personne n'a voté. Cet ordre du jour s'attaque aux droits sociaux. Ce programme de réduction des programmes sociaux que le peuple brésilien subit, personne n'a approuvé cela dans aucun scrutin. Voilà pourquoi les gens contestent ce programme dans les rues. Michel Temer, qui remplace à la tête du Brésil Dilma Rousseff, destituée pour 180 jours, avait quitté tôt ce dimanche son domicile pour Brasilia avant l'arrivée des manifestants.